Bonjour. Bonjour et bienvenue au Népal en octobre 2019. Je vous invite à découvrir avec moi le parc national de Shivapuri. Il est situé aux portes de Katmandou. Il commence à l'altitude de 1000 mètres avec des bananiers. Et il s'élève rapidement par des pentes collinéennes fortes jusqu'à 2700 mètres d'altitude. C'est un excellent moyen de vous préparer à d'autres rendez-vous. Ne vous pressez pas. Et vous voyez que Janga, mon fils adoptif népalais, 36 ans, ne se presse pas. Tandis que moi, papy Eric, à 69 ans, je prends tout mon temps pour filmer, photographier ces collines du parc national de Shivapuri. Vous ne risquez pas de vous perdre à Shivapuri car tous les sentiers sont indiqués et il y a plusieurs villages. Par contre, il y a très très peu de touristes. On dirait que les autorités du tourisme en Thaïlande, en Népal, n'ont pas envie que les touristes s'arrêtent à Shivapuri et qu'ils aillent donc plus loin parce que ça va rapporter plus d'argent. On rencontre aussi des singes de la famille des macaques. Ce sont des petits singes qui vivent dans les arbres, mais qui en descendent lorsque les humains jettent leur trop-plein de nourriture. Le Népal est un pays pauvre, mais même chez les pauvres, il y a des gens riches qui jettent les pommes, qui jettent de la nourriture, et ça fait le bonheur de ces singes macaques qui viennent manger ce qui a été jeté. Ils ne sont pas dangereux, mais attention, ils ne sont pas inoffensifs. Si vous prenez une pomme qu'ils pensent être à eux, attention, ils peuvent devenir agressifs, voire dangereux. Donc, gardez une certaine distance avec les singes, avec les animaux, surtout avec les animaux sauvages. Je filme avec une petite caméra GoPro et vous voyez que ce jeune singe mâle cherche à intimider un vieux singe comme moi. Eh bien, j'en ai vu d'autres. Et c'est pas ce petit jeune qui se gratte les puces qui va me faire peur. Mais vous, si vous n'avez pas l'habitude des animaux sauvages, regardez-les de plus loin, filmez-les avec un téléobjectif, n'allez pas taquiner les animaux, laissez-les vivre leur vie, observez-les dans leur vie de tous les jours. Moi, j'observe la nature, les arbres, les pierres et un petit torrent de montagne qui s'appelle la rivière du Tigre. Lorsqu'elle est rejointe par son affluent, la rivière du Chacal, à eux deux, ils forment un courant. Petite rivière, devenue grande rivière, la Bagmati, qui va traverser le royaume des morts, c'est-à-dire le lieu de Katmandou où ont lieu les crémations. Je vous inviterai peut-être plus bas, plus tard, mais pour l'instant, profitons de cette verdure, de cette nature avec un N majuscule, entretenue par des chèvres qui broutent, elles mangent même quelques détritus. Je les observe comme j'observe tout ce que je vois là où je voyage et ces grands bassins d'eau potable irriguent
et abreuve la vallée de Katmandou, qui attire de plus en plus de monde. Le Népal est un pays pauvre, mais qui essaye de bien faire pour remonter la pente. Les touristes y sont les bienvenus. Les Népalais sont en général accueillants. Et Janga a son téléphone collé à l'oreille pour papoter avec sa femme qu'il vient de croiser sur ce sentier, mais chacun son chemin. Aujourd'hui, Janga marche avec moi et sa femme va rendre visite à des amis dans un de ces petits villages de Shivapuri. Les chevaux du vent, les drapeaux de prière tibétaines flottent au vent avec leurs cinq couleurs, parmi lesquelles le bleu, blanc, rouge, un peu de cocorico. J'aime bien l'atmosphère tibétaine, plus calme que celle d'autres personnes parmi les Népalais. Je traverse la rivière Bagmati sur un petit pont de bois fait de briques et de brocs. Je dis bonjour à Monsieur le coq, à ses poules et à ses petits poulets. Une jolie petite maison avec du linge qui sèche au soleil modéré de l'automne. L'automne et le printemps sont les deux meilleures saisons pour randonner au Népal. Et je vous propose à partir de maintenant de nouvelles vidéos qui vont vous montrer plusieurs endroits du Népal jusque au-dessus de 5000 mètres d'altitude, où je me suis baigné nu dans un lac glacé. Je vous laisse le découvrir. Ces dessins colorés sont destinés à faire entrer dans la maison la déesse Lakshmi, celle qui est prospère, qui apporte l'argent, la bonne santé et beaucoup de bonnes choses. Les petits taxis attendent leurs clients, mais en période de fête, leurs tarifs sont prohibitifs. Des motos, eh bien les motos, il y en a de plus en plus au Népal. Ça fait partie de l'évolution de ce petit pays, qui est un peu la rondelle de saucisson dans le burger constitué par la Chine d'un côté et l'Inde de l'autre. Je monte dans un bus alors que le conducteur n'est pas là, et regardez, un passager armé d'un trident. Il est pacifiste, mais imaginez qu'un passager armé d'un trident monte dans un bus français, ce serait la révolution 200 ans après. Je vous invite à suivre mes autres vidéos, et pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne Eric Long sur YouTube. Merci.